Salut tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter la composition de l'événement qui est en cours. Donc je suis un peu en retard, mais voici l'événement. Moi, ma stratégie c'est de tout faire d'un coup. Donc je vais vous montrer ma composition. Donc je prends toujours un minimum de troupes. En fait, pour faire la composition, je crée une nouvelle compo. Je crée le minimum de troupes qui est demandé pour tout faire d'un coup. Ensuite, je rajoute des sapeurs qui est quand même indispensable pour casser les murs. Toujours mettre un sort de saut, un sort de rage au cas où si ça se passe mal. Deux sorts de soins vu que le soin c'est bien meilleur que le rage, en plus le soin, le niveau, vu que je donne le niveau maximum, le soin c'est très efficace. Et le gel évidemment c'est aussi pour tout ce qui est tour de l'enfer, et l'artilleur, tout ça, c'est aussi très efficace. Donc je vais vous montrer deux petites attaques. Et voilà. Je vais d'abord vous montrer un replay, puis ensuite une attaque. Alors, qu'est-ce qui est pas mal? Bon, après, c'est vrai que j'attaque souvent du. Enfin, avec des défenses vides. Je vais en prendre une au hasard, la dernière. Donc d'abord je lance ma reine. Et surtout oui, le rage aussi ça permet de sauver la situation si on se rate un peu. Donc là je mets quelques troupes pour péter les bâtiments autour. Là j'attaque directement avec un sort de saut pour que les troupes les arrivent à l'intérieur. Mon gardien et mon roi pour tenir les troupes. Ensuite le pouvoir du gardien justement pour protéger avec quelques petits soins pour les PK qui font relativement mal. Bon c'est assez dur vu qu'on doit surveiller les deux côtés. Mais voilà, c'est assez facile. Après, c'est vrai que j'attaque des villages où les défenses sont vides et que je suis HDV11, troupe quasi maxée, donc ça aide. Donc, je vais à présent vous montrer un petit let's play, enfin une attaque. Donc d'abord je vais prendre un village dont là tout est épuisé, donc je vais peut-être le prendre. Donc là je vais quand même péter quelques bâtiments avec les archers, pour pas que la reine elle tourne. Je vais attaquer où? Bah ici. Après j'ai un peu la pression, du coup j'ai peut-être encore raté, mais bon ça passe tout le temps. Je rate tout le temps mais je fais toujours 100%. Donc là on va mettre un petit casque. J'ai trop joué. Bon du coup on va mettre ça, ça. Bon après il y a toujours le sort de saut que je peux sortir. Et ça passe, ça passe. Ouais, du coup je vais mettre mes deux PK.
Je vais mettre un petit sort de saut, non, oui, non, oui, non, je tente. J'espère que ça prend les deux murs. Excellent. Ça a pris aucun mur, je suis mal. C'est bon, ça a pris au moins un mur. Donc, je surveille en même temps les deux côtés, c'est assez dangereux. Un petit sort de saut, je sais pas ce que j'ai guéri. Le petit gel, parce que c'est quand même n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. On va encore sortir un petit soin. Un petit gel, parce qu'il fait mal. On espère. Non, j'ai pas sorti le gardien. Bon, c'est un fail. Le gardien, bah, je vais le mettre là. Bien sûr, il tourne. Bon, ça devrait quand même passer. Ouf, que le gardien ne soit pas là. Bon, ça passe, ça passe. Une minute, 70%, ça devrait passer. Ouais, ça passe. On va pimenter tout ça en augmentant les pouvoirs. Dans les pouvoirs. Voilà, le petit gardien juste pour le plaisir. La reine pour la soigner. Vu que c'est la fin. Et ça nous fait un petit 100%. Après, c'est vrai que je triche un peu sur les villages où tout est épuisé. Mais bon, les avantages du cristal, les ressources, il est relativement facile à péter. Beaucoup d'âge défané. Et voilà. Un petit bug. À la prochaine. Salut.